Bah, ils nous ont fabriqué des choses, c'est-à-dire ce sont, ils nous impriment des unités, ce que vous voudrez, sauf que c'est avec l'encre et ça se fait. Donc ils ont même demandé de la drogue pour le défi. Je vous rassure, ça met trop longtemps. Oh, mais tu es spécial pour ça, sûrement. Donc le chien est récompensé avec un objet, en l'occurrence la sabale. Donc on marque qu'il a gratté à la trappe à essence, donc ça veut dire qu'il a une charge à la trappe à essence. Jean-Paul va vous montrer. Voilà, il s'agit d'un petit graton de cannabis. Je vous appelle le citron. Jean-Paul, c'est 5 après. Tu viens commenter sur le champ. Vous allez voir ce petit box que vous avez dit tout à l'heure pour une recherche sur bagage. Si vous présentez un travail en aéroport, dans une gare, ou même dans une salle de cours avec des élèves. Donc on demande aux chiens simplement de vous indiquer le bagage, soit par un marquage passif, soit par un grattage, soit par un portant. A partir de là, le gendarme peut travailler de façon légale et officielle en demandant l'ouverture et la vérification de la matière qui a été par le chien. Donc vous voyez que sur toutes les valises, le chien s'intéresse, essaie de prendre les odeurs. Là vous voyez qu'il se fixe, il indique à son maître par un grattage. Et le chien